Vous voulez le monster? Est-ce là l'œuvre de l'ascension? Oui, de nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il? On en a trouvé une vingtaine. Clairement victimes de la sangsue. Comment en es-tu certain? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu? Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Tu as des nouvelles de Stowe? Pour la flèche? Pour l'instant, je m'occupe de la sangsue. Quelque chose t'inquiète? Ah, non. Je me demande juste comment va ce cœur de moineau. Vous êtes très proches, comme des frères. Oui, oui. Comme des frères, tu n'as pas tort. Erke! Dis-moi que ce n'est pas... Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Oh, calme-toi. Merci, Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela me terrifie. Elle travaille pour un forgeron, pourrais-tu me dire lequel? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait 2 jours que je ne l'ai pas vue, et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Que faisait-elle comme travail? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Je compte sur toi pour retrouver ma Regna. Elle est ma raison de vivre. Mieux vaut attendre la nuit. Je vais le suivre et voir où cela me mène. Oh.
Ce crétin ne peut pas aller plus vite. Prudence. Est-ce que c'est là ou... Non, il prend son temps. On m'attaquera à vue par ici. Appartient à Odin. Que vous dites. Voilà,
Fais sonner la cloche. Méfiez-vous de ces pièges. Allez, il faut élargir le piège. Prêt à moi. À moi. Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Je suis une amie, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombée malade, il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyée à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd.
Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah, ça oui. Et elle les a, les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Tu lui fabriquais, tu veux dire? Tu vas nourrir les mains! Faites trébucher cet imbécile! Montre-moi. Mieux vaut porter ma capuche ici. Montre-moi cette terre, mon ami. C'est là que la sangsue mutile s'éproie. Ce n'est qu'une petite tour. Par les tresses de Freya, je peux rentrer chez moi, je le jure. Allons. Tu délires. La sœur va vite te remettre sur pied. Je ne veux pas mourir ici. Il me reste plein de choses à vivre. Mais non, tu ne vas pas mourir. Sois patient. Nous allons te guérir. Quoi ? Oh ! Des choses sont enfermées dans son cabinet de travail. On y est presque. C'est d'étranges expériences. Rien de diabolique, n'est-ce pas? Ça vous sert jusqu'à tout. Avec moi, ça sera le capitaine à sortir. Avec moi.
activer mon signal. Quelque chose de digne dans ta vie. Méfiez-vous de ces pièges. Sur qui aura sa peau. Gentilleur Fredeswit. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. C'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissée emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs.
Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Frideswyd. Et parfaits comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu ? Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Une jeune fille à qui on a arraché les yeux. Je pense qu'il s'agit de la Regna disparue. Voilà, c'est fait. Ah, tu as saigné la sangsue. Et tu as découvert son nom ? Une nonne, appelée Frideswyd. Quoi ? Cette gentille sœur ? Ce n'est pas possible, c'est une sainte. Une guérisseuse et... Par les dieux ! Cette semaine a vraiment un goût de purin. Tu la connaissais ? Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frideswyd, aujourd'hui ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Les secrets du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai.
Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes. Mais à quel prix? J'ai bien envie de brûler ce maudit recueil. Qu'est-ce que tu en penses? Il contient des remèdes pour tout, des abcès aux fractures. Mieux vaut le conserver. Après tout, nous faisons la guerre pour ceux que nous aimons, et nous obtenons la victoire par le sang. Ce livre est le champ de bataille de cette sœur, son royaume. Tu as peut-être raison. On ne peut pas ramener les morts à la vie, mais leurs souffrances ont de la valeur. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, Broga.